vraiment fascinant, qui vous fascine et qui me fascine. Nos origines, la vie euh, au-delà de notre frontière, peut-être de la vie euh, extraterrestre super intelligente, des, des civilisations super avancées. On en parle dans des anciens écrits de ces gens qui viennent du ciel. On voit ce qui se passe avec les dévo les, le dévoilement de toutes sortes de rencontres de troisième type des euh, armées à travers le monde, la, le Pentagone, la France, la Russie. Euh, on voit l'évolution de l'humanité aussi, hein, où on est rendu aujourd'hui. Euh, ça se fait graduellement. Toutes les découvertes, je ne pense pas que ça vienne des hommes des cavernes. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre là-dessous. Chacun peut avoir son opinion. C'est un peu comme la religion. Il n'y a rien qui peut vraiment être prouvé. C'est une question de foi, mais des fois, il y a des évidences de plus. Il y a plus d'évidence, je pense, de l'existence et de du contact et des visites qu'on a eues de gens venus d'ailleurs que de preuves de l'existence ou en tout cas de Dieu. Mais ça, c'est purement personnel. On voit la extraordinaire depuis les années 50 hein, de la technologie. Et c'est là où il y a eu de plus en plus de, de, de rapports et de témoignages hein, et de ces objets volants non identifiés, des cas euh, vraiment importants et euh, historiques dont on parle encore. Roswell et plein d'autres, qui ont laissé certains dire que probablement, euh, qu'à partir de là, on aurait eu même des individus encore vivant et peut-être des échanges de technologies ou un vol ou peu importe. Euh, C'est comme vous voulez, mais ces témoignages-là sont là, on ne peut pas les effacer et le repousser du revers de la main. Maintenant, il y a une petite vidéo que je trouve vraiment fascinante que, qui vient d'être publiée il y a quelques jours là, de la chaîne que j'aime beaucoup aussi, euh, History, et qui nous parle d'une découverte incroyable. Une découverte incroyable et vous allez voir comment ça bouge vite et c'est au niveau de l'encodage du de, de l'adn qu'on pourrait utiliser l'adn pour encoder toutes nos informations sur ça ça pourrait représenter l'ensemble de presque tout ce qu'on a par exemple sur wikipédia sur une simple petites l'équivalent d'une petite goutte d'eau imaginez euh, ce que ça pourrait représenter comme percée et euh, tout ça dans un Petit objet, de, on a fait là un lapin euh, imprimé en 3D, en, poly, en polyuréthane, en plastique. Donc, c'est une matière qui est presque immortelle <laughs> et que tu peux reproduire à un coût vraiment euh, euh, minimal et que tu pourrais stocker toute l'information que, que tu peux imaginer dans ce système-là. On le sait, nos téléphones, portables, nos calculatrices, euh, nos ordinateurs calculent et fonctionnent avec un système binaire 01-01-01. Mais le, la nature, comme nous explique cette petite vidéo-là, et euh, le fameux euh, euh, scientifique japonais, c'est moi bon, juste un petit instant, Miki Okaku nous explique bien, ce scientifique japonais très connu, que la nature, elle, fonctionne et l'ADN, sur un calcul, sur un mode différent, sur une base de quatre. Donc euh, la nature utilise un système euh, à, à, de base, à base de 4 pour coder les informations de l'ADN. Euh, et euh, c'est avec les fameuses lettres A, C, G, T. Euh, et on fonctionne comme ça. Donc on, a, on aurait réussi euh, des scientifiques. Imaginez-vous, euh, ça nous a rapporté aussi par... J'ai trouvé un lien avec Craft euh, Cloud. Une équipe de recherche a découvert une méthode pour transformer presque n'importe quel objet en unité, une unité de stockage de données. Les chercheurs ont imprimé en 3D un lapin en polyester incrusté, incrusté pardon, de brins d'ADN. Donc on aurait reconstitué dans le fond, un ADN synthétique contenant, parce que comme nous explique Miki Kaku aussi, on peut aller chercher cet encodement-là euh, de l'ADN euh, à base de 4, euh, A, C, G, T et l'utiliser pour trafiquer, puis calculer, puis encoder ce qu'on aurait à encoder dedans. Donc c'est au, au stade préliminaire, mais on est vraiment en pleine percée ici, euh, scientifique, qui serait renversante. En extrayant ces informations, ils ont pu reproduire le lapin à plusieurs reprises, démontrant la puissance de l'ADN pour le stockage compact de données. Tout comme les vrais lapins, notre lapin porte également son propre plan. A déclaré le chercheur Robert Grass pour leur étude une équipe de chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Suisse et du laboratoire euh, euh, er, erlik une société israélienne de stockage d'ADN, a codé les 45 kilooctets de code dans les quatre bases d'ADN adé, euh, adénine pour A, cytosine pour C, Thymine pour T et euh, guanine pour G. La séquence d'ADN a ensuite été enfermée dans des sphères microscopiques de plastique pour la protection avant d'être incorporée dans le plastique qui a été utilisé pour imprimer le lapin. Dans d'autres tests, l'équipe a pu extraire le code et reproduire le lapin en coupant un petit morceau du lapin imprimé en 3D et en faisant fondre le plastique, ils ont pu extraire l'ADN et utiliser les informations pour imprimer en 3D un deuxième jouet. Dans l'ensemble, l'équipe de recherche a réussi à reproduire jusqu'à cinq générations avec une période allant jusqu'à neuf mois entre l'impression et la réimpression pour montrer que les informations stockées ne dégénèrent pas avec le temps. Cependant, un peu d'ADN est perdu à chaque répli réplication, donc une reproduction infime. Infini, pardon, n'est pas possible pour l'instant. Néanmoins, chaque réplication ne consomme que 0,3 de chaque lapin et produit suffisamment de matériel ADN pour euh, créer 29 petits lapins. D'autres applications de la technologie consisteraient à cacher des données dans des objets, une technique que les experts appellent la stéganographie ou faciliter le développement de machines à réplication automatique. Et dans euh, cette vidéo de... qui ne dure pas longtemps, là, quelques minutes, de history, on arrive, et c'est ça qui est le plus intéressant pour nous ici. Si nous, on est rendu là, et il y a beaucoup de théories qui pensent peut-être que même les sociétés avancées, extraterrestres, ce serait nous, dans le fond, projetés dans le temps, et quand ils reviennent visiter, c'est pour voir l'évolution un peu. Donc, ce serait nous. Hein? Euh, on est nous-mêmes euh, probablement le fruit euh, d'extraterrestres. De, et d'avoir une vie extraterrestre, ça élimine pas non plus l'idée d'un Dieu créateur supérieur. Il ne faut pas penser à ça non plus. Et ça nous amène, et ces gens-là qui s'intéressent à euh, la question extraterrestre, hein, tous ces euh, gens qui sont consacrés à ces anciens astronautes, comme on, on les appelle, vi en viennent à se demander si les, tous les artefacts qu'on voit à travers le monde, hein, qui sont étonnamment. Euh, Spectaculaire et on se demande d'où ils viennent et d'où ils, ils sont si ces artefacts-là n'auraient pas, à l'intérieur aussi, des informations encodées. Et c'est vraiment intéressant euh, comme approche. Donc, on, on a découvert beaucoup d'objets, beaucoup d'objets étranges, d'anciens artefacts. Par exemple, le Seattle Times nous parle de, de cet artefact ici, euh, des euh, Rock Hound. Euh, amateurs ont trouvé l'artefact Kosso en 1961 à l'ouest de Dead Valley en Californie depuis 57 ans, 57 ans depuis sa découverte par trois Rockhounds dans les montagnes de l'est de la Californie. Une masse longue de 2 sur 3 pouces en forme de pierre a été au cœur de la spéculation dans le monde entier. Donc, euh, on les voit ici, ces fameuses euh, cette fameuse artefacts. Et il y en a plein de ces artefacts hein, qui, sont, euh, qui ont été découverts et qui suscitent beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de questions. Hein? On en, vous, vous en avez vu de toutes sortes, on les voit ici. Là. Euh, et on se demande vraiment si peut-être il n'y aurait pas un, des, euh, des trucs encodés de ces civilisations qui avait probablement découvert déjà cette technique-là. Vraiment fascinant. Je vais vous partager ça parce qu'on a besoin de se pencher là-dessus. Et vous êtes intéressé, je suis intéressé par ça. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment fascinant. Et je vous le dis, on est sur une piste de plus en plus crédible. Et 2021 sera probablement une année vraiment importante pour des divulgations encore plus grandes.